À partir de combien de temps d'essai bébé faut-il s'inquiéter? Avant de s'inquiéter, je vous conseille d'aller voir votre médecin, votre gynécologue, votre sage-femme pour justement faire ce qu'on appelle une consultation préconceptionnelle. Dans le cadre de cette consultation, on va pouvoir parler alimentation, on va pouvoir aussi voir si vous êtes à jour en termes de vaccination, faire le point aussi sur votre état de santé, l'état de santé de votre compagnon, ce qui est plutôt pas mal. Et donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir aussi déterminer un peu, vous présenter un peu comment ça se passe pour répondre à votre projet parental. Si vous avez moins de 35 ans, et qu'au bout de 12 mois, aucun début de grossesse n'intervient, à ce moment-là, c'est plutôt en effet nécessaire que vous consultiez. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Ça veut juste dire peut-être qu'il va falloir revoir aussi votre stratégie en termes de fréquence de rapports sexuels, mais aussi en termes de mode de vie. Et ensuite, on pourra vous proposer aussi une prise de sang ou du moins une échographie. Si vous avez plus de 35 ans, à ce moment-là, peut-être au bout des 6 mois, d'essai, on va vous proposer de consulter aussi une sage-femme, gynécologue ou médecin généraliste pour justement faire le point, vous proposer une prise de sang, une échographie, et ainsi on verra si c'est nécessaire de pouvoir vous orienter vers un parcours d'assistance médicale à la procréation.